approaches. I have to keep my cool. He will know our country's swift hand of justice. A kaiju has appeared. It's Rodan! C'est bien, j'avais pas prévu de faire d'enregistrement, mais... Ils m'ont piégé, il y a Rodan quoi. Du coup j'ai été obligé de foutre mon micro à la va-vite. Je sais même plus comment on joue déjà. Comment on fait pour choper? Oh. Ça va, ce n'est pas très compliqué de retrouver comment on joue à ce jeu idiot. Blomi Bunga! Là-bas, des bagnoles de flics. Il faut que je pète des bagnoles de flics. Mais eh oh, ça va là? Ça pourrait presque avoir un petit quelque chose de King of the Monsters et de... et des Godzilla de GameCube, là. Mais vraiment, je sais pas pourquoi ils ont pas été fichus de... Bah, de refaire un jeu comme ça, tout simplement. Là, ces histoires de générateurs à la con et tout, mais quel intérêt, quoi. Et c'est fou parce que des jeux de destruction comme ça, avec des gros monstres, il y en a eu tout un tas qui ont été faits, et tout à fait sympathiques. Bon, pas forcément géniaux, mais je pense aux Rampage. Alors les Rampage, bon, l'original a sa réputation, mais... Après les épisodes de N64 et des autres machines de Nintendo, genre il y en avait un sur Wii je crois aussi, ils sont un peu fait chier à la gueule, alors que avec mes frangins on avait pas mal aimé ces jeux débiles pour leur qualité lobotomique, le côté punk, c'était franchement assez marrant hein, moi je trouve les Rampage. Et alors on a ça, plus les jeux comme King of the Monsters de SNK et d'autres trucs de ce genre, les Godzilla, les Godzilla de GameCube, enfin bref, tout un tas de jeux tout à fait sympathiques, même si Godzilla a souvent aussi été... a aussi été prétexte à faire des jeux sacrément merdiques, hein. Mais celui-là, bon, c'est pas le pire, hein. Là, franchement, bon, je chie un peu dessus et je rejoins un peu l'avis qui a été donné par d'autres critiques. C'est foiré, quoi. Parce que là, bon, voilà, en ce moment, là, ce que je suis en train de faire, c'est bien juste péter le décor, chercher les bagnoles de flics et... il se passe que dalle, quoi. Il pourrait clairement y avoir... Ça pourrait être mieux géré, quoi, on va dire. Clairement.
j'espère que c'est foiré, hein. Ça on va pas se le cacher, mais c'est loin de la moisissure de certains des épisodes, celui sur NES et tout. Lui, je sais plus s'il était tellement pourri, mais par contre il se passait même pas sur Terre, donc t'avais même pas la joie d'écrabouiller une ville, quoi. Godzilla dans l'espace, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Il y avait un jeu sur Super NES qui était assez beau, mais qui était complètement à côté de la plaque. Ouh, c'était du... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la petite musique. Bon, avec tout ce merdier, moi je vois plus de bagnole de flic. Ah merde, j'étais en train de vouloir aller faire des... Faire les endroits où on peut repérer, on peut faire des analyses de données. Putain, je me fais un peu claquer la gueule là. Et oh. Voilà. Je vais peut-être me faire buter, hein. La VGN avait vachement bien résumé le truc. Le fait que pendant très longtemps, il y avait un peu... Ça paraissait être une évidence, les jeux qu'il fallait faire avec Godzilla, quoi. On comprenait pas trop ce que c'était, le truc compliqué qui faisait que les mecs se chient à chaque fois. Et quand il y a eu les épisodes sur GameCube, ben voilà, quoi. C'est genre, ils ont enfin fait le machin. Mais ça, bon, j'ai trouvé qu'il était vraiment un peu vache, parce que King of the Monsters, c'est vraiment la même chose, mais genre fait avant, quoi. Et mieux, en plus. Bon, enfin, les jeux de baston sur GameCube étaient très bien, hein. Déjà parce qu'il y avait la licence. Du coup, bon, voilà, t'avais vraiment Godzilla et tout, ça fait plaisir. Mais parce que c'était des bons jeux, bien addictifs et tout simplement, hein. Et ça, les King of the Monsters, ça date de... je sais plus, mais c'est pas tout jeune, hein. Les versions arcade, elles doivent dater, genre, je sais pas moi, des années 90, du début des années 90. Faudra que je regarde quelle est la date de King of the Monsters, mais ça serait sympa de faire un épisode du genre du Goulag là-dessus, sur les jeux de grosse destruction, les Godzilleries, wannabe Godzilleries et tout. Ça peut être un bon sujet. Ça fait chier, je suis pas sûr d'avoir eu toutes les bagnoles de flics comme demandé. Bon, ce petit hélico qui me fait chier là, j'aimerais bien lui faire sa fête. Allez. Tiens. Et toi aussi, tiens. Bon, sauf qu'il faut attendre 1 million d'années que ce putain de souffle se recharge. Il y a vraiment encore des bagnoles de flics là-dedans? Genre les flics qui restent garés là, dans la ville complètement détruite. Et là, franchement, qu'ils aient pas été foutus de faire qu'il y ait un mode baston offline, parce qu'ils avaient juste fait une caméra pour du solo ou je sais pas quoi, là, c'est souvent ça l'excuse dans tous ces trucs où ils osent pas mettre
mettre du multi là où ça semble pourtant évident, quoi. Ah, on préfère juste faire que qu'il soit obligatoire de passer par internet et... C'est d'autant plus chiant qu'il y a pas mal de ces jeux qui sont un peu chiatiques comme ça. Pas ultra mauvais, mais franchement pas terros, quoi. Ou un putain de mode rien qu'un... Ah, tiens, des flics. Des flics. Godzilla, fuck, nique la police. Fuck the cops. Voilà, putain de barlou, quoi. Putain de wesh, des banlieues, putain de Kaira, quoi. Ce Godzilla. Il tient le mur, quoi, il tague des nique la police. Bon, comme les vrais wesh de banlieue, ils votent sûrement un peu Marine Le Pen aussi. Oh putain, là je viens de dire un truc tellement méchant. Enfin bon... Godzilla frontiste, ça c'est flippant, quoi. Un énorme néo-nazi qui se balade dans... dans les villes en les écrabouillant. Bon, enfin, comme dit, les petites frappes... Attention, quand je dis petites frappes, ça n'a rien à voir... avec leurs origines, hein, pour ceux qui s'imaginent que... qu'être un wesh, c'est forcément... être un maghrébin ou je sais pas quoi. Non, je fais pas ce genre de sous-entendu, hein. Mais les petites milices fascistes comme ça qui se baladent dans les rues pour faire chier les gens là, j'ai toujours été fasciné par ces créatures là qui souvent un peu donnent dans le nique la police, mais qui en même temps reproduisent eux-mêmes des espèces de formes d'autorité virile et qui s'imposent par la force et tout. C'est eux-mêmes des substituts de d'instances fascistes régulatrices qui veulent contrôler les masses par la force. Et nous avons échoué. Et comme dit, pour moi, ces gens sont pas préférables aux flics qui passent leur temps à critiquer, quoi. C'est la même chose, c'est des fascistes, c'est tout. Et Godzilla est un gros fasciste. On va en rester sur cette conclusion complètement stupide sur cette vidéo avec Rodan. Et ouais, ben voilà, je vais continuer à péter cette ville.